wash away the pain. There's a new day. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog qui commence. Ouais, le temps est mitigé. Il fait pas froid, hein, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Bon, allez, on va attaquer sa journée. On va nettoyer, ranger. Je voudrais faire mes escaliers, mon coin bureau aussi, parce qu'il y a bien plein de poussière. Et du coup, c'est pas très agréable de ranger, enfin de travailler dans un endroit comme ça. Alors, il est tard, hein, parce que j'ai tout de suite monté la vidéo, répondu à vos coms et tout. C'est la première chose que je fais en me levant. Comme ça, après, je m'occupe de moi et ensuite, j'attaque ma journée. Alors, ce midi, croque-monsieur. Donc, ça va aller vite. Avec petite salade, celui qui veut. Et il restait aussi des concombres d'hier. Voilà. Ça ira très, très bien. Ah, il y a même des tomates. Celui qui veut se faire une petite salade composée. Je l'ai découvert dans le frigo, qui est très vide. Encore. Alors, on a fini de manger. Ce matin du coup j'ai fait tout mon coin comme je vous avais dit, les escaliers, et j'ai presque fini mon coin bureau. Là avec Greg on est en train de regarder parce qu'on cherche un robinet pour le lave-main. Mais en fait ce qu'il y a, c'est qu'un lave-main, il n'y a qu'une arrivée d'eau froide, il n'y a pas d'arrivée d'eau chaude quoi, en fait. Dans la logique des choses, nous on n'a pas fait voilà, on a laissé l'eau froide quoi, en fait, puisque le temps que l'eau chaude arrive, vous avez déjà fini de vous laver les mains, vous avez limite. Enfin bref, on n'a pas cherché à mettre de l'eau chaude. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas pensé, c'est que c'est compliqué de trouver un robinet de lave-main pour un vasque à poser. Ça fait plus de... une semaine hein, qu'on cherche. Ouais. Mais bon, on va trouver. Hein. Alors, on va peut-être une petite idée. Mais il faut voir si, si ça fonctionne. En fait, ça serait de prendre un robinet lambda, mais de brancher deux flexibles sur l'arrivée d'eau en mettant un répartiteur. Alors, je m'explique. En fait, quand vous achetez un mitigeur ou un robinet, au niveau du... Vous voyez ce qui est collé au plan de travail, là, au niveau du cul, du, d'en dessous du... Ici, je vais vous montrer directement ça. Ouais, au niveau d'ici. Là, vous avez les tuyaux, en fait, d'arrivée d'eau qui sont branchés. Là, en fait, il y a deux trous. Et c'est là-dessus, vous venez visser un pas de vis sur un pain de vis, le tuyau, le flexible d'eau chaude, et sur le deuxième le flexible d'eau froide. Donc quand vous tournez d'un côté, il y a l'eau froide qui arrive, et quand vous tournez de l'autre, c'est l'eau chaude, et quand c'est au milieu, voilà, il fait un mélange des deux. Là en fait, nous du coup au lave-main, on n'a qu'une seule arrivée d'eau. Donc Greg se dit, si ça existe, puisqu'il y a deux moments, il y a des idées un peu comme moi quoi, en fait, il sait pas si ça existe, si ça, au niveau de l'arrivée d'eau, venir mettre un répartiteur, donc avec deux... Vous voyez, un truc avec deux qui ferait que le un tuyau deviendrait deux tuyaux avec deux arrivées. Mais au lieu de mettre deux arrivées, enfin un tuyau d'eau, enfin il mettrait deux tuyaux d'eau froide quoi en fait. Donc peu importe, parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est que si vous prenez un robinet lambda et que vous mettez que de l'eau froide, c'est possible de boucher de l'autre côté. Mais quand vous allez tourner le robinet, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, comme là, c'est de l'eau froide. Hop, là, si je tourne par là, c'est de l'eau chaude. Vous voyez, mais si on met pas de tuyau au niveau de l'eau chaude, quand je vais ouvrir de ce côté-là, ben, il n'y aura pas d'eau qui va arriver. C'est possible. Il suffit de boucher, en fait, mettre un petit truc pour boucher, un bouchon. Mais il n'y aura pas d'eau qui va arriver. Et chose qu'on veut éviter, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ben, les gens, quand ils vont venir se laver les mains, ils vont dire, ben, il n'y a pas d'eau. Ou, vous voyez, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il se dit qu'en mettant deux tuyaux d'eau froide, bon, en fait il y aurait de l'eau froide des deux côtés, donc ça fonctionnerait. Mais il faut qu'il voit si, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, hein, mais si ce petit truc, parce que du coup l'arrivée d'eau, le tuyau est pas très gros, c'est pas un gros truc quoi en fait, si ça existe, un truc pour faire le répartiteur. Voilà. Donc à voir. Donc il est parti voir ça. En même temps, il voulait prendre un nouveau pot de peinture parce que on vous avait dit hein, que notre peinture qu'on a mis dans toute la maison, donc la Deluxe Valentine, lin blanc, ils en avaient plus de 20 à en recevoir le 28. Là, on vient de regarder sur le Roi Merlin.
pas avant la semaine prochaine. Donc il est pas très content parce qu'il pensait pouvoir finir les toilettes ce week-end. Donc du coup on a regardé un petit peu les couleurs et il y a une couleur qui s'appelle l'Inclair qui pourrait ressembler. Alors même si c'est pas exactement la même, c'est pas la même pièce. Vous voyez, donc ça jouera pas, enfin voilà, on met dans des pièces différentes quoi, en fait, d'autres couleurs, hein. D'habitude nous c'est parce qu'on voulait uniformiser le truc, donc ouais, il est parti voir ça, il est parti voir aussi parce qu'il manque une plinthe pour les toilettes, et c'est tout, voilà. Donc si mettons, on voit que il trouve son petit répartiteur là, ça sera beaucoup plus simple. Autrement, on a trouvé un robinet sur Amazon qui pourrait aller. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut attendre la semaine prochaine, je pense. Et il aurait voulu l'avoir assez vite, ou la fin, ou début septembre. Il aurait voulu l'avoir assez vite parce que du coup, il peut rien fixer au niveau du lavement. Parce qu'il faut exactement qu'il sache où est-ce qu'il peut percer pour pouvoir les mettre. Je vous explique. En fait, on a le lave-main qui va être ici. Donc, il faut qu'il perce pour pouvoir après mettre vous voyez, la sortie d'eau. Et le robinet qui serait ici. Mais voilà, on ne sait pas exactement. Voilà. Il ne peut pas mettre ça si on ne sait pas exactement la grosseur, le truc, voir si ça gêne pas, etc. Donc, ouais, il ne peut pas mettre ça tant qu'on n'a pas ça. Puis en même temps, ça ne sert à rien de mettre l'un si on ne peut pas utiliser l'autre, quoi, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc, voilà. Ah, non, bah c'était Greg tout compte fait, je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait à chaque fois quand on veut quelque chose on regarde sur le stock, que parce qu'on peut voir dans les magasins maintenant sur le site de Leroy Merlin, on peut voir où exactement leur stock et tout, mais je sais pas, il doit avoir un souci, à chaque fois c'est faux. Donc là en fait ils retrouvent exactement la même peinture, donc c'est cool. Et il n'y avait pas celle qu'on voulait... prendre de substitution. Par contre, il n'y a pas à trouver, je pense, le répartiteur. Voilà. Donc, il est sur le retour. Enfin, il faut qu'il passe en caisse, etc., etc. Bon, allez, je vais finir mon coin à bureau. Un petit peu à la fois, la maison retrouve son état de propreté. Alors après il y a encore beaucoup de trucs à ranger, hein. En fait dans le cellier, ben déjà il y a le frigo et tout, mais déjà de compter tout ça c'est parce qu'il y a des trucs qui sont encore dans le cellier, du cellier qui sont ici, et il y a encore des trucs de la buanderie qui sont ici aussi, et qu'il y avait aussi dans les toilettes aussi qui sont ici aussi. Donc, un petit peu à la fois, hein. Logiquement semaine prochaine ça devrait être bon. Ce qu'il y a aussi, c'est ce que j'expliquais hier à Greg, c'est que j'ai l'impression quand je nettoie quelque chose, comme là hier vous voyez la cuisine elle était nickel, enfin tout, j'avais commencé à ranger les trucs, et en fait lui comme il travaille dans la pièce, dans la buanderie, ben, il ressort tout ce qu'il y a dans la buanderie et il pose là où il peut, quoi. Et donc du coup ben, hier je suis rentrée d'action, j'avais du boxon un peu partout dans la maison. Et c'est un peu démoralisant, quoi, en fait, parce que vous vous dites, ben vous faites, mais ça sert à rien, quoi, en fait, parce que voilà, même si c'est un tout petit peu plus propre que ce que ça n'était, c'est toujours un petit peu en désordre, quoi, en fait. Donc, ouais, j'avance un petit peu à la fois à tâtons. Et puis après, j'ai un meuble aussi qu'il faut qu'on aille porter chez Kim. Mais Greg doit aider Quentin à le poser parce qu'il faut être deux, il faut le porter, le meuble qui était en fait dans la buanderie, elle va le récupérer pour le mettre dans sa cuisine, comme ça lui fera des rangements supplémentaires. Mais et puis elle, comme elle avait déjà des meubles comme ça en bas, c'est la même collection en fait pratiquement. Vous voyez, c'est tout simple, c'est blanc, même son dessous dévié en fait, il est dans la même, c'est ce qu'il y a souvent dans les locations comme ça. Donc ouais, il faut que Greg aille le mettre, mais bon, faut qu'il trouve le temps, quoi, en fait, un petit peu à la fois, ça va venir. Bah, Greg est rentré, alors il a pris la peinture, il a pris la plinthe, j'ai vu que la plinthe était un peu cassée, t'as vu, c'était la dernière. Ouais, bon c'est pas grave, il manque juste un petit bout, donc, et alors le répartiteur ça existe, mais en fait comme il a dit, il y a toujours un petit truc, hein. Ça existe pas, en fait le tuyau est quand même assez bas par rapport à l'arrivée du robinet, vous voyez le flexible en fait qu'il faudrait entre le robinet et l'arrivée d'eau, et ils vendent pas des raccords qui sont aussi longs que ça, donc voilà, il a des flexibles, ouais, qui sont aussi longs que ça, donc on va voir, je pense que... Ouais.
il va réfléchir, il va se laisser. Mais bon, je pense que autant commander l'autre, ça sera peut-être moins casse-pied, quoi, en fait. Hein, que tu auras peut-être seulement au mois de début septembre. À voir. Ça va vite, hein. Il y a eu juste la 17. Oui, je sais, mais il faut trouver les raccords aussi. Les flexibles. Si ils le vendent. Ouais, mais si c'est des longs. Parce que comme tu as dit, c'est des courts. Ils vendaient des 60 cm là, sur Amazon. Donc si c'est ça, bah, c'est bon. Je vais pouvoir les acheter. Ouais. Bon. Bref, donc là il est déjà 17h30 passé. On va aller faire les courses, il va venir avec moi. De toute façon, il va rien attaquer là pour aujourd'hui. Moi j'ai fini mon coin bureau. On va essayer d'aller faire les courses. En fait, il va venir avec moi parce que j'ai pas fait de menu. Et je voudrais essayer d'aller faire les courses jusque lundi midi pour pouvoir repartir ensuite sur une nouvelle semaine. Je vais faire le menu et tout normal, quoi, en fait. Donc allez, on va aller sûrement jusque Leclerc, je pense. On va prendre son courage demain. On a été faire les courses. En fait, on pensait ne pas avoir le temps parce que ça ferme à 8h. Et je me suis dit, bon, allez, on va quand même y aller, on verra bien. Et en fait, quand on a eu le temps. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est parti beaucoup plus tard parce que c'est Kim m'a appelé au moment où on allait partir. Du coup, il était 18h quand on est parti. Je me suis dit, faire la route, et, temps de faire la route et tout. Souvent, 7h30, il ferme les. Commence à fermer les. Les barrières pour éviter que, normal, hein, qu'ils finissent trop tard. Et ça va. On a eu le temps de faire les courses jusque dimanche. Jusque lundi midi. Donc ce week-end, je vais faire ma liste de courses, enfin mon menu et tout. Et on repartira sur une bonne semaine parce que là, pff. Alors ce soir, c'est ravioli. Les enfants, ils en avaient justement envie. Donc j'ai acheté des raviolis fraîches et de la sauce bolo. Et j'ai mélangé, j'en ai mis du fromage. Et ensuite j'ai pris du poulet, je ferai cuire deux fois. J'ai pris une grosse barquette et on va manger une fois chaud, une fois froid. Et après j'ai pris des steaks pour faire steak frites salade. Et demain on mange chez Kim. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai pris de quoi faire aussi des pizzas aussi. Demain soir, dimanche soir. On va reprendre les habitudes pizza du dimanche. Bon allez, on va s'installer. Je me suis acheté des baby carottes. Je vais m'installer avec Greg. Petit apéro du vendredi. Pour fêter le week-end. On est samedi aujourd'hui, si je me trompe pas. Alors je vous prends tard, il y a déjà 10h30 passé. J'ai fait mes petites routines, etc., etc. Je me suis préparée. J'ai téléphoné à mes parents aussi parce qu'ils attendaient des résultats d'examen, donc voilà, pour savoir ce qu'il en était. Et puis pareil aussi pour ma maman. Et Greg a été au potager. Il a été récolté. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas été, donc du coup ça y est, on commence à avoir les tomates. Alors nous on les a eu super tard en fait, les tomates. Ça fait quoi, peut-être 15 jours seulement que tu les as? Non. Ça y est, commence à arriver. Pommes de terre aussi et des choux raves. Elle est drôle de forme celle-là. Ouais. Et la branche elle a cassé. Ah zut. Bon, après peut-être que si on les met au soleil, elles vont peut-être mûrir un petit peu, mais elles ont pas l'air d'être. Courgettes, choux raves et pommes de terre. Et de l'ail éléphant. J'ai fait mon menu et ma liste de courses du coup pour la semaine prochaine. Là je vais aller m'installer à côté de Greg. Avec des petites crudités et un verre de kéfir. Je vous ai un petit peu abandonné toute l'après-midi. Avec Greg, on s'est reposé un petit peu. Ça faisait très longtemps. Même moi, j'ai fait une petite sieste. Et ensuite, il s'est mis à la peinture des toilettes. Donc, il y a la première couche qui est faite de partout. Ça fait très blanc, mais c'est pas blanc. Moi, je sais pas si vous voyez la différence. En fait, c'est la même couleur que dans toute la maison, en fait. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à mettre une deuxième couche demain et mettre les plinthes. Là il est parti prendre une bonne douche et ensuite on va aller chez Kim du coup, qui nous attend pour manger comme je vous ai dit. Alors on a fait un effet avec la peinture, je sais pas si vous allez voir, j'ai un cheveu dans le qui accroche à mes cils. Ouais, on a fait un, je sais pas si vous connaissez la peinture avec du bicarbonate pour faire un effet peinture à la chaux. En fait on s'est dit qu'on allait tenter pour voir ce que ça donnait. Ça faisait un moment que je voulais tester parce que, mais je voulais pas le faire dans une grande surface parce que j'avais peur que le résultat ne me plaît pas. Là je me suis dit c'est les toilettes, si ça me plaît pas, voilà, c'est une petite surface. Et en fait compte, alors je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait,
Ça fait un peu effet chaud en fait. Ouais, là vous voyez un petit peu. Alors ça se voit plus en vrai, puis en... parce qu'en caméra c'est compliqué en fait de faire passer l'effet. Mais ouais, ça rend bien. Bon, on va peut-être devoir mettre une deuxième couche à voir demain. Et après, comme je l'ai dit, ouais, il restera les plaintes. Et après, on pourra tout remettre en place. Et ça sera bon. Il faut encore qu'il rabote aussi la porte du cellier pour pouvoir la remettre aussi. Et puis voilà, un petit peu à la fois, on voit le bout. J'ai une trace là, je viens d'aller faire un petit... petite trace de poudre. Hop là. Vous me servez de miroir. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. À mon avis, quand on va rentrer ce soir, ça va être direct douche, dodo. Et je vous dis bah, à demain pour la suite du vlog. Midi, on va manger, enfin même plus 13h, on va manger. On s'est réveillé, il était 8h, on a flemmardé jusque 9h, on a pris notre douche, les cheveux, les petits soins et tout, donc on a commencé tard. Greg a été à la déchetterie aussi, il y avait encore 2-3 trucs à aller porter, et puis il a collé toutes les plaintes des toilettes. Là le temps que ça sèche, on va manger, le temps que ça colle, que ça prenne bien, puis après il y aura la deuxième couche de peinture à faire. Allez, alors pour ce midi, j'ai fait cuire plein de cuisses de poulet. On va en manger ce midi et demain on en mangera froide. Et j'ai fait une plaque avec des pommes de terre, des courgettes, enfin il me restait des poivrons aussi, de ce qu'il y avait dans le frigo. Voilà. Alors on n'est pas rentré tard hier soir, il devait être quoi, 23h ? Ouais, 23h30. Mais je pense qu'on avait besoin de sommeil, qu'on s'est réveillé tard, c'est rare de nous, mais voilà. Hein ? Mais je ne vous ai pas beaucoup pris cet après-midi. On s'est reposé un peu avec Greg. Et puis après, il a mis en peinture la deuxième couche au niveau des toilettes. Il a fini... du coup, les plaintes, ce matin, il les avait finies. Mais là, il a fini de les mettre en peinture. Et puis, ben, c'est bon. Je pense qu'au niveau des peintures... Ah non, il lui reste une deuxième couche au niveau des plaintes. Mais après, c'est tout. Les toilettes seront... enfin, pas finies. Parce qu'il y a encore... le vasque à poser et puis le robinet et tout. Mais au niveau des peintures et tout, ça sera bon. Puis il y aura aussi la lumière, enfin la lumière, ouais, le lustre, enfin le plafonnier à mettre. Mais autrement, c'est bon, c'est fini. Hop. Alors je sais pas si vous voyez un peu l'effet que je vous montrais hier. C'est dur à montrer comme c'est une peinture claire. Nous, on le voit à l'œil, mais c'est vrai qu'en caméra, à mon avis, ça doit pas se voir beaucoup. Bon. J'ai préparé la pizza pour ce soir. Alors, logiquement, c'était une pizza royale avec du jambon, mais comme il y avait 12 cuisses de poulet dans le truc, on en a mangé 5 ce midi. J'en ai gardé 5 pour demain midi manger froide. Et il y en avait 2, on les a décortiquées. Et on les a mis du coup à la place du jambon. Le jambon, je m'en servirai la semaine prochaine ou pour autre chose. Donc, sauce tomate, fromage, poulet, champignons et puis les petites olives. Voilà, et le week-end est déjà fini. Et il est déjà 8h. Ça passe trop vite, un kombucha. Dans lequel je rajoute des feuilles de... Là, c'est des feuilles de verveine avec du citron. Et la semaine prochaine va être bien speed parce que il faut, j'aimerais bien qu'on ait fini. Logiquement, il n'y a plus grand chose. Il faut qu'on s'occupe de la porte finir les 2-3 trucs aux toilettes. Mais après ça devrait être bon, on va pouvoir tout remettre en place. Et puis il faut qu'on prépare la rentrée parce qu'on l'a toujours pas fait. Non, ça va aller vite, hein. Il ne faut pas grand chose, mais bon. Il faut qu'on y aille. Avant... semaine prochaine.
Bon, allez, je vais faire cuire les pizzas. On va se mettre sur moi un petit film. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis du coup un bon début de semaine. Et je vous dis à mercredi pour sûrement un nouveau vlog. Allez, bisous, à mercredi. Oh, discrétion.